Salut les gamers, voici la partie 3 de la mission 5. Donc là il y a beaucoup de messages en attente, on les fait direct, donc l'urgence a été réussie. 83% on peut soigner, 82% on peut soigner et on lance la vitesse. Donc eux ils en sont où niveau formation? Hop. Est-ce que j'ai un formateur de disponible? Oui, sauf que lui, il me semble qu'il est fatigué. T'es impatient. Consultant chercheur. Sauf que lui, en fait, il est très fatigué. Allez, vas-y, c'est toi qui vas aller bosser là-bas. On part en vitesse 4. Donc, il n'y a pas de souci, on est blindé en thunes. La seule difficulté, c'est qu'il faut former les médecins. Normalement, je suis censé être blindé de chirurgien. Toi, tu fais quoi, là? Je vais pas bosser, là. Ah non, ils sont pas formés encore. Ouais, concrètement, j'ai plus rien à faire. Ah, c'est quoi, ça? Mais bien sûr, mec, bien visité. Alors, on en est où? La réputation, c'est ok. 76%, on peut tenter. Donc, réputation, c'est ok. Le taux de guérison, c'est ok. La valeur, c'est ok. Encore 34 patients et l'argent, ça monte tout seul. Ça monte doucement, mais ça monte. Putain, le gonfleur, il n'y a personne. Le Thaïlande, il n'y a personne. Salle des malades, il n'y a personne. Et j'ai un hôpital où il y a trop peu de malades, quoi, à la fin de l'année. Bon, évidemment, je suis premier partout parce que, à cause du bug, les autres hôpitaux ne démarrent jamais. Donc c'est cool pour moi, mais d'un côté, ça gâche un peu du suspense. Du coup, gagner beaucoup de thunes, de la réputation, des fonds et des fonds. Bah, ok, je suis blindé. Ok, oui, t'inquiète pas, je vous augmente. Pourtant, je suis blindé en chirurgien. Alors, qu'est-ce que vous attendez, les chirurgiens, pour aller en salle d'opération? Voilà, c'est bon, ils y vont. Ok, ça fonctionne bien, les toilettes. Moi, les 50 000, je vais les avoir. De toute façon, je vais tout avoir. Toi, qu'est-ce que tu fais, là, rien à glander? T'es chirurgien pratiquant? Bah si tu glandes rien, va te faire former, ça te fera du bien. Franchement, les gens à rien glander m'énervent. Le but, c'est que tout le monde soit formé au bout d'un moment. Voilà. Et toi, tu les formes à quoi? À la recherche en plus. Fatigue, ok. Urgence de quoi? C'est fracture, ok. Du coup, vu que c'est de la fracture, on va ralentir. Oui, toi, je t'augmente. Merci de me laisser tranquille. Le temps que je fasse une deuxième salle des fractures. Comme ça, les taux seront réglés encore plus vite. Tac. Tac. Voilà. Toute option. Ok. Et tout de suite, une... très fiable en cas d'urgence, voilà. Comme ça, l'urgence va être répartie partout. Donc les mecs, c'est pour être cool. Ah, Kitty qui est mort. Soyez gentil, franchement, tuez pas mes patients. Oui, c'est bien, c'est réparti partout. Oh, encore un mort. Mais dites pas que vous avez tué des gens en fracture, quoi, franchement. Comment vous pouvez tuer des gens avec des fractures? Vous êtes des boulets, c'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. Oh, là, j'ai trop de médecins en formation, c'est pas possible.
T'es pas mal, t'es pas trop mal, t'es pas mal. Toi, t'es pas encore chercheur, donc. C'est qu'il te faut plus. Ok, 80%, tu soignes. Si ça va, non, les urgences ont été réussies. Attendez, attendez, attendez. Estimable Dame Zou, formidable, vous avez fait de grands progrès dans votre hôpital. Nous avons trouvé un établissement pour exercer vos talents et relever des défis. Bon, on va attendre la prochaine lettre. Comme j'ai oublié de ralentir le jeu, c'est aller trop vite. Alors oui, toi je vais t'augmenter. Toi tu vas le soigner. Toi je t'augmente. Merci de me donner la thune. Allez, dépêchez-vous de me renvoyer ma lettre de mutation, s'il vous plaît. J'ai juste été trop long à la lire. Franchement. Je vais vous relâcher dans la nature, quoi. Franchement, vous êtes excellents, les mecs. Allez, je vous relâche. Allez, bosser. Mais arrêtez de demander des augmentations, ouais, mec. Stop. Dans mon personnel. Oulala, mais j'ai des incompétents. Mais mec, toi, t'es méga incompétent, quoi. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Va tout de suite te faire former. Toi, c'est bon, je t'ai envoyé. Va te faire former toi aussi. Toi aussi globalement t'es pas génial. Donc normalement j'en ai envoyé. Tu vas où mec? Je t'ai dit va te faire former. Je peux encore en envoyer un en formation. Lequel je vais envoyer? Toi. C'est toi qui es le plus bas ensuite. Voilà. Allez. Ça vous fera pas de mal d'aller les former. Ok, t'es mort, je t'ai entendu. Normalement, j'ai pas de soucis de chirurgien, abusez pas. C'est cool, le mec il est. Il avait un chapeau, il le met sur son lit, mais tu t'es cru où, mec? Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me renvoyer ma prochaine promotion? Ok, on le soigne. J'aimerais moi aussi pouvoir repartir. Ah, connasse. Je t'ai vu le tuer. Ok, stop. Alors, estimable Dame Zou, splendide, vous avez admirablement géré cet hôpital. Nous pouvons de la santé. Souhaitons savoir si vous aimeriez prendre en charge un plus grand dossier. Nous comptons sur vous. Le salaire serait de 24 250 $. Tout de suite, oui. Tada! Mission 5. Finish. Bien, du coup, j'arrête ici ma vidéo. Ça fera un épisode quelque chose et demi. Et on se retrouvera pour la mission 1, 2, 3... Attendez. 1, 2, 3, 4. Pardon, pour la mission 5 ou 6, j'avoue que je sais plus compter. Donc, ciao les copains. Bye bye.